Ok les potes, une nouvelle petite boutique. Aujourd'hui du coup, normalement on a le retour des anciens skins footballeurs et non des plus récents. Pour ceux qui savent, il y a deux sortes de skins. Ceux qui sont sortis il y a longtemps et ceux sortis il y a pas très longtemps. Bref, vous avez capté. On est parti pour la boutique, on va pas perdre plus de temps. En plus elle va être grande parce que c'est tous les skins footballeurs dans cette boutique. Alors, on a tous les skins d'un footballeur, ça c'est sûr, on les connaît plutôt bien. Donc je vais les remontrer rapidement parce que même si vous les connaissez, peut-être que tout le monde les connaît pas forcément tous par cœur. Du coup, on a la joueuse décisive à 1200. Nous avons la buteuse implacable que je possède d'ailleurs à 1200. Vous avez la stoppeuse, susceptible également à 1200. La meneuse habile, pareil 1200. L'avant-centre virtuose, le même prix forcément 1200. L'attaquant expert, celui-là je l'ai, 1200 également. Le libéro inflexible, pareil 1200. Le défenseur acharné, je l'ai aussi. J'ai remarqué, j'en ai 3 skins en fait de. J'ai acheté ça à l'époque, hein. Ça date. Hein. Du coup, à 1200 également. Du coup, on est bon. Ensuite, on a également, je vous rappelle, pour ceux qui ne se rappellent pas, on a plusieurs styles. On peut l'habiller en Brésil, on peut l'habiller en drapeau Islande, l'Allemagne, la France, vous avez capté. Voilà, je pense que vous connaissez à peu près bien. On peut aussi changer les chiffres pour ceux qui ne se souviennent pas, derrière le maillot, etc. Ça, on est bon. Ensuite, on est passé aux accessoires, on va dire, et danse. Donc là, on a la petite pioche. D'ailleurs, c'est ma première pioche que j'avais achetée à l'époque, à la première saison 4. C'est vraiment ma première pioche, hein, parce que, en tant que dire, de boutique, c'est le crampon d'or. C'est ma toute première pioche, les gars. Et je me rappelle parce que j'ai joué avec le Nomade à l'époque que j'avais acheté cette pioche-là en boutique. Du coup, on a également le Vivu Zela, bon, petite pioche, voilà, marron, on va dire, à 800 bucks. On a également le petit planeur avec le ballon de foot au-dessus, un peu. Pour 500, on a la petite danse sans les mains, qui est l'une de mes premières danses. C'est pas la première, mais c'est la deuxième danse, je crois que j'ai dû acheter à l'époque. 500 V-Bucks. On a également le carton rouge, pour 200 V-Bucks. Et du coup, on est bon, c'est déjà pas mal. On a également le petit retour de cette petite danse, une danse de TikTok, on est plutôt bien. La danse est toujours copyright, comme d'habitude. La musique, du moins. 500 V-Bucks. On a également le retour du buisson, donc le petit skin Blue Sky, avec ses 4 custom, c'est déjà, même si le skin est un peu particulier, hein, c'est comme un buisson, mais il est assez drôle, puis en plus vous avez 4 custom, donc c'est plutôt rentable si vous aimez bien les skins un peu particuliers, funny, etc., colorés, comme vous voulez. C'est un peu le Poisca, mais version buisson, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez également sa pioche, qui elle aussi, elle a 4 custom, donc vous avez la première, vous avez la deuxième custom, la troisième, et la quatrième en comme ça, voilà. Ça vous voyez à peu près les custom qu'il y a à débloquer quand vous l'aurez acheté. Du coup, le retour du skin déjà du froid, ça fait longtemps qu'il est pas sorti celui-là. Je l'ai acheté à l'époque et je me rappelle, ça fait super longtemps qu'il n'était pas sorti. Donc le petit skin est à 1500 V-Bucks. On a également ce skin féminin. Évidemment, c'est le même pareil que le skin garçon. Donc le Kundo Shi du froid à 1500 V-Bucks. On a également leur pioche, ouais, que j'avais pris aussi à l'époque. J'ai remarqué qu'il y a des trucs que j'ai lésés depuis super longtemps. Le lama, la lame, excusez-moi, inversée. C'est une sorte de pioche un petit peu. Pas sur gamme bien, elle a la forme un peu comme un shuriken pour ceux qui connaissent bien. Le ninja, c'est souvent ça. Le petit planeur, sur les bucks. Enfin, un petit, il est quand même assez grand quand même. Le boss burger, 1005. On a également le retour de sa pioche, forcément. La spatule, 500 V-Bucks. Je vous dis, c'est une grande boutique, les gars. Vous avez également son planeur, 1002. Je vais essayer d'aller vite parce que. On connaît plutôt bien. On a toujours disponibilité d'avoir aussi le retour de petits skins. Ah, le skin long cut, il sort assez souvent quand même. Ça fait 3 fois qu'il sort depuis 4 mois là. Donc c'est un skin pas non plus rare, mais c'est un petit skin sympathique du coup. Un skin un peu ninja. Si vous aimez bien tout ce qui est un peu ninja. La rafaleuse du givre, plus un V-Buck. On a l'appel à neige, une pioche tryhard pour 500. On a également le riff en diablé de retour en boutique. Petite danse que j'aime bien d'ailleurs. En mode rock'n'roll. Ensuite, également le jeu t'abonnera jamais qui ressort en boutique. La musique est stylée, mais malheureusement, elle est encore une fois. La musique est copyright, donc on peut pas la mettre sur YouTube, mais bon, c'est dommage. Mais la musique est bien. Elle danse aussi d'ailleurs. Également, exercice Shaolin. Ça danse là à date aussi. Hein. 200 V-Bucks. On a également toujours disponible le petit pack Flash, logiquement. Et le pack de Sika qui est sorti hier en boutique. On l'a déjà montré avec son magnifique planeur. Cet ensemble là est disponible aussi encore, heureusement pour moi, parce que ce soir normalement je pourrais enfin l'acheter quand je ferai les défis boutiques tout à l'heure. Dans Sauver le Monde, grâce à Sauver le Monde, je pourrais acheter ce pack tout à l'heure. Du coup, j'aurai pile poil la somme
littéralement. Donc j'ai assez hâte de le faire, mes défis, pour le débloquer. Et toujours disponible le pack de Flash. Visiblement, ils vont le laisser encore un petit peu. Peut-être que toute la semaine, il sera disponible, on verra bien. De toute façon, il y aura d'autres packs qui sortiront prochainement. Donc tant que les autres packs ne sont pas disponibles, le Flash va rester en boutique, je pense que c'est ça. Donc voilà, pour ceux qui le voulaient, bah, vous avez encore peut-être une semaine pour l'acheter. Donc vous pouvez, allez-y. Et du coup, on est bon pour cette grande méga boutique. C'est ce qu'elle veut dire. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner sur ce bon début de semaine. Je vais pas dire bon week-end, on n'est pas encore le week-end. Rushez bien, il reste moins d'un mois pour faire vos défis, 3 semaines environ. On va dire 2 semaines et demie, mais on va dire 3 semaines pour arrondir. Donc faites vos défis si vous n'êtes pas encore level 100. Au moins pour avoir tous vos bases de combat, tous vos défis entièrement faits. Voilà. Un coup c'est fait, les gars. Rushez bien. Et sur ce, à demain.